Ça, c'est qui bon, vous pouvez circuler en moto, s'il vous plaît, c'est pas un garage, les gars. Vraiment. Juste par contre, Adama, s'il te plaît, Eva. Tu peux dire à toi et tes collègues. Vous pouvez nous prendre en moto, c'est ça notre travail. Et genre, ça bloque. C'est donc ça notre travail. C'est dommage, tu vois. Ouais, pas de soucis. Je peux leur dire, s'il te plaît, merci. Notre travail, c'est ça en fait. Brian, mais genre, il m'a dit que. Qu'est-ce qu'il y a? Alexis, tu fais quoi là? Je m'en vais. Monsieur, il a dit qu'il me prenait. Bah non. Mais non, si. Non. Si. Bah non, si. Pas du si. Tout, tu restes. Il a dit si. Non. Non. Non, 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 il m'a dit si. Non. Madame. Il m'a dit que madame. Il m'a dit que je peux. Non. Que... Non. Ah bah, allez. Non. Mais non. Mais, non. Mais lâchez-moi, putain. Non, c'est d'essayer. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi, le monsieur il m'emmenait. Lâchez-moi. Il t'emmène nulle part, toi. Mais non, je veux pas rester ici. Mais on a tout essayé, c'est pas suffisant. Je fais quoi moi maintenant? Mais je veux sortir. Non, mais non. J'ai l'autorisation de sortie. Lâchez-moi. Putain, t'as aucune autorisation. Si, si, j'ai l'autorisation. T'as rien du tout. Si, si. T'as rien du tout. S'il vous plaît, madame. Lexi. Lexi, tu m'écoutes? Merde. Lexi. Oui. Connerie, tu vas t'allonger. Mais. Alors toi. Mais j'allais à la maison. Promets, tu bouges ton lit. Je te promets, tu bouges ton lit. Hein. Quoi? Je te mets une morphine. Je te mets une morphine. Tu te réveilles plus. Le bébé a pas, peut pas avoir de morphine, c'est impossible. Là-dedans, tête de ma mère, je te mets une sale morphine, tu te réveilles plus. Mets-la dedans, Je voulais sortir, rentrer à la maison. Allez, tête de ma mère, allez. Tu te lèves, j'attends que tu pars, je te mets une morphine, toi et ton gosse, tu pars. Mademoiselle, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes aussi énervé? Je voulais rentrer à la maison. Allez, restez ici, vous inquiétez pas. Vous voulez pas que je vous apporte un petit chocolat chaud? Regardez, vous avez fait une douche. Oui, ça fait du bien. Oui, je sais. Vous voulez un café? Docteur. Comment? Je suis le père de cet enfant, dans le ventre de cette dame. Oui. C'est pas le papa. C'est pas le papa. À que vous appelez la protection de l'enfance, j'ai des papiers c'est qui pas certifient le papa. Que je suis le père. C'est pas le papa, c'est pas le papa, c'est pas lui le père. C'est Riyad le père. C'est lui. Je demande. C'est Riyad le père. C'est pas. C'est pas lui le père. Justice envers cette femme, histoire que cet enfant soit protégé, que cette femme soit surveillée, et quand cet enfant naîtra, je demande la garde exclusive avec non droit de visite de la mère. D'accord, bah vous transmettrez tous ces papiers. C'est pas lui le père. C'est pas lui le père. C'est pas lui le père. Je vais vous envoyer en tout cas les. Monsieur, en attendant, elle est enceinte. Vous lui si vous le procurez du stress comme ça et de la tristesse et de l'énervement, il peut arriver un malheur au bébé. Vous savez ce que ça fait quand une femme enceinte est très stressée. Je m'en fous, docteur. Je vous donnerai 10 000, 20 000 dollars. Vous allez faire en sorte que ce bébé reste en vie. L'argent ne résout pas tout, hein, vous savez. 30 000 dollars. Non, l'argent ne résout pas tout. Je vais le tuer ce bébé. Je vais le tuer ce bébé. Je vais le tuer le bébé. Je vais le tuer. Si je trouve un couteau, je me transperce le ventre avec. Je vais le transpercer le ventre. T'auras jamais le bébé. T'auras jamais le bébé. Je t'auras jamais le bébé. Eh ben c'est ça qu'on verra à toi, d'ailleurs. Si je trouve un couteau, un ciseau, un bistouri, je tue le bébé. Non, que tu m'énerves. T'es méchante. T'es vraiment méchante, hein. Tu n'as pas changé, Lexi. Tu restes une pourriture. Une pourriture humaine. Et toi, t'es méchante. Ton vagin, c'est comme une poubelle, mais sans les poignets. Il me fait mal au ventre. Il me fait mal au ventre. En même temps, vous aurez la garde si vous voulez l'avoir avec vos papiers, etc. Non, jamais il aura le bébé. Je vais tuer le bébé avant la naissance. Non. Elle accouchera en prison. Ah l'enfoiré, il va pas me mettre en prison. Oh, madame, écoutez, reprenez vos esprits. Qu'est-ce qui vous est arrivé jusqu'à... Comment ça en est arrivé là? Oh, c'est parce qu'il s'occupe jamais de moi, il est méchant. Faut que vous me sortiez de là, faut pas que je reste ici, il va me faire arrêter, je le connais, il est méchant. S'il vous plaît, vous savez que vous pouvez avorter? Je suis à 7 mois, c'est pas possible, 7 mois de grossesse. Et je le veux ce bébé pour moi, mais je veux pas qu'il l'ait. Faites-moi, s'il vous plaît, faites-moi sortir. Il va me mettre en prison, il va vouloir prendre le bébé. S'il vous plaît. Le meilleur, ce que vous devez faire, c'est de rester calme. Je veux bien vous aider, moi. Je ferai tout pour vous aider, mais il faut pas que vous vous énervez et que vous dites mais que non, vous allez le tuer. Mais faites-moi sortir de là. Le juge va me faire arrêter. Je vais finir en prison. Il va m'enlever le bébé après. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Mais pourquoi il vous enlèverait le bébé? Il est méchant. Mais c'est vrai que c'est un juge, donc c'est bah plus facile d'avoir ce qu'il a envie. Je veux qu'il s'est négocié surtout qu'avec l'argent. Mais je pense que ça, le bébé a rien à voir avec ça. Je pense que
Vous pouvez partager les gardes chacun, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir... Enfin, il n'est même pas encore né, vous avez le temps encore de penser à ça. L'important, c'est votre santé et vous allez bien. Oui, il faut que je dorme, vous avez raison. Je vais dormir. Voilà, exactement. Pensez à autre chose. Si vous voulez, je vous mets la télé, etc. Pensez pas à lui. Pensez pas à ce qui vous fait du mal. Oh, il y a le monsieur... Ah oui. J'ai entendu un drôle de bruit, là. C'est d'accord, quoi ? D'accord, je vous mets la télé, hein. Et oui, je merci. Pose un verre d'eau. Merci, madame. Truc. Putain, mais faut que je m'échappe de là. Il va me faire arrêter. Oh, mais non, c'est pas possible. Nora, faut que je mette un peu de piment, quoi.